am mbekté ak contentement téw fi tay vraiment ci finale bi nga xamné moy coupe du maire di opposer ñaari AIC yu mag di bes bu mag muy AIC Lamane gi de Keur Lamane ak AIC Kani gi de Ngass ñu am mbekté nak tay ak contentement bu reuy téwé ko ci jamm di ñaan yalla mu yegg ci jamm ñepp ñibi wat ci jamm équipe bi nga xamné mo meun gagner ku nek ñibi ci jamm ren nak équipe municipale bu bes bu gor gor lu na ci récompense bu baax ndax équipe bi gagner dana am 400 000 bolé ko am ay mayo ay ba ak ay godas pour joueur yi waye tam ay médaille d'or am ñaari ballon équipe bi ñu gagner dina am juroom fukki jooni ay godas médaille d'argent ak ballon yenen ñaari demi-finale ci aussi kenn ku ne da nga am jeu de mayo ak bal donc lolu moy mise bi waye dañu neexal aussi ki gëna ragné ko ci terrain bi ki daqa football ki daqa dougal ak ki daqa goal ren innovation yoy lañu ci indi ci coupe maire bu Touba Toul waaw xam nga dama doon wax sank ne dañu nek ci jamono coupe du monde ñu gis football ak sport de manière générale place bi mu occuper ci ndaw ñi ak ci aduna bi sénégal xam lolu di ci liguey bu am solo ba taxna lolu liguey bobu état bi di def ñun collectivité territoriale commune yi dañ ko war di def au niveau local pour que football bi gëna soxalé ko gëna développer lolu motax équipe municipale bi bimu ñëwé xamna né stade Touba Toul bari na ay jafé jafé warna am pelouse warna am éclairage bu gëna ñong warna am tribune ba taxna ñu ci liggéey ak ay partenaires pour que bala nawétanu dewen ci katanu yalla bu ko yalla dogalé ñu défar ko inshallah rabbi sentiment de fierté et de satisfaction totale quand nous voyons la jeunesse de Touba Toul unie en toute symbiose, en toute harmonie, dans le cadre de la finale du maire, nous ne pouvons que nous en réjouir et constater véritablement de grandes avancées au niveau de la commune de Touba Toul en matière de sport au plan sportif. Et donc nous sommes là dans le cadre de la Coupe du maire et une finale. Une grande finale qui oppose deux grandes AIC, à savoir l'AIC Lamangui et l'AIC Kanigui. Vraiment, nous prions que ça se déroule dans la tranquillité et dans le calme et que la meilleure équipe gagne. Merci. Nous avons essayé quand même de faire beaucoup d'efforts pour cette année. On a essayé d'augmenter la mise et l'équipe vainqueur va se retrouver avec une somme de 400 000 francs, un jeu de maillot, deux ballons, médaille d'or, et avec des godasses, des chaussures pour tous les joueurs, pour toute l'équipe. Et les médailles pour tout l'encadrement technique et les joueurs. L'équipe vaincue aura une enveloppe de 250 000, un jeu de maillot, un ballon et des médailles d'argent pour les joueurs et l'encadrement technique et des chaussures également pour les joueurs. Donc l'équipe vainqueur aura naturellement le grand trophée. On a prévu également de récompenser le meilleur joueur, le meilleur buteur et le meilleur gardien, comme cela se fait dans toutes les grandes compétitions. Vous savez qu'on est dans un contexte de Coupe du Monde et que le sport au Sénégal occupe désormais une place de choix, une place importante. Et on doit aller vers la territorialisation des politiques sportives, des politiques engagées et définies par le gouvernement en matière de sport. D'emblée, quand nous avions été installés au niveau de la commune de Touba Toul, l'équipe municipale avait pris à bras le corps cette question, cette problématique. Parce que vous l'avez constaté tous, on a un stade qui n'est pas digne de son nom. Il n'y a pas de pelouse synthétique, il n'y a pas d'éclairage, ça laisse à désirer, il n'y a pas de tribune. Donc on est en train de travailler avec un partenaire. Bon, je ne vais pas nommer de nom pour des raisons que vous maîtrisez plus que moi, mais on est en train de travailler avec un partenaire pour que ces problématiques-là soient définitivement résolues. Et on compte, Inch'Allah, le faire avant les navetanes de l'année prochaine. Inch'Allah.